Et c'est tout le monde, c'est Sandy 30000 et bienvenue pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors aujourd'hui, c'est pas l'épisode final, enfin on va pas affronter le boss final, mais par contre on va se rendre dans le château d'Hyrule parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Et puis comme c'est la première fois qu'on va y aller, ça va être plutôt sympathique aujourd'hui. On va compléter pas mal de choses aujourd'hui dans cet épisode. Alors comme vous pouvez le voir déjà dans ma tenue, j'ai changé 2-3 trucs. Alors ma tenue, voilà. J'ai tout simplement fait des teintures. Alors il faut savoir que dans le jeu, il y a un teinturier. Ce teinturier, il vous permet de changer la couleur de vos tenues. Alors moi, il faut savoir que j'ai acheté plusieurs tenues, les tenues qu'on nous propose dans le magasin des limites. J'en ai acheté 2-3 et je les ai colorées en bleu, en blanc. Et j'en ai gardé une en normal, voilà, c'est plutôt sympathique. Et j'aime beaucoup cette tenue, on dirait genre dans Assassin's Creed, le héros principal, il est presque habillé pareil. Voilà, je la trouve plutôt sympa. Alors j'en ai pris une blanche comme ça, donc c'est plutôt sympathique. J'en ai pris une bleue parce que la tenue de Link dans Breath of the Wild, elle est bleue, donc c'est plutôt sympathique. Et puis on peut même se mettre la tenue, voilà. Vous voyez, c'est pas joli ça? Ouais, moi je trouve ça super joli. Et après, on a bien entendu la tenue verte, puisque la tenue verte dans les Zelda, c'est quelque chose. C'est tout simplement, la tenue verte, c'est quelque chose. Et puis voilà, j'aime beaucoup ces tenues, donc voilà. Je sais pas si vous avez utilisé l'option teinture, si vous êtes déjà allé dans le magasin de teinture à Elimite, et puis si vous... En fait, il n'y a pas que cette tenue-là qu'on peut colorer, il y a tous les équipements, on peut les colorer, à part les équipements d'Amiibo ou les équipements genre la capuche noire, enfin le truc de Dark Link, ou les masques de Linel et tout ça, ou le t-shirt Nintendo Switch, ça on peut pas colorer. Donc tout ce qui est par rapport aux Amiibo ou que les PNJ nous donnent, voilà, on peut pas les colorer. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympathique. Mais on va se mettre, nous, en tant que bons chevaliers d'Hyrule, on va se mettre comme ça. Alors il faut savoir aussi que j'ai fait quelques recettes, vous allez voir, voilà. Ça c'est pour l'épisode final, voilà, j'ai fait plein de recettes, comme ça je suis tranquille pour le reste de mon aventure. Là j'ai 3 stacks de nourriture, donc ça va aller. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois il y a des recettes différentes. Par exemple, on a des boulettes aux monstres, on peut passer par de la tarte, ou on a du fruit au miel, voilà. Donc j'ai fait des desserts, des plats, des entrées, j'en ai fait plein. Et aussi, on peut voir, attention, que ma tenue, ma tunique du prodige, elle est maintenant à 32 de défense. Voilà, c'est la meilleure tenue que je peux trouver pour l'instant. C'est la tenue, la tenue de Link. On va se la mettre, tiens. Enfin, je voulais à la base partir en tant que soldat, mais finalement non. Vous savez quoi, on va se mettre la tenue de Link. Alors, quelle est, c'est ça là? Ouais, je crois. Pantalon Ilien, ça doit être ça. Oui, voilà, ok. On va se mettre comme ça. Et ben voilà, nickel. Oui, bien, c'est parti, je vais pas vous faire plus attendre. On va partir vers le château d'Hyrule. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. On va terminer beaucoup de choses. Déjà, on a un souvenir à trouver. On a aussi un bouclier à trouver. Et on a, surtout, la grande chose, le grand final, on a un temple. Enfin, un sang... Oula, j'ai eu peur. Ils m'ont fait peur. Un sanctuaire à trouver. Donc, alors, on m'a dit que le souvenir... Alors, parce que le souvenir, voilà, normalement, il est comme ça. Voilà. C'est ce souvenir-là. Voilà, ce souvenir-là, il est près d'une grande falaise. Et on m'a dit que c'était à côté des appartements de Zelda. Donc, ça c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique aux abonnés qui m'ont dit où c'était l'emplacement. Donc, c'est plutôt sympathique. Et on m'a dit que, aussi, le sanctuaire se trouvait... dans les cachots d'Hyrule, il me semble. Voilà, et pareillement pour le bouclier. Enfin, le bouclier aussi se trouve dans les cachots d'Hyrule. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et puis on ira retourner voir Impa, puisqu'il faut qu'elle me complète ma quête des photos et des souvenirs. Voilà, et puis on aura terminé ça. Il faut bien, et après... Voilà, attendez, j'ai tout planifié. Il y a les DLC de Zelda qui vont arriver là demain. C'est le 30. Moi je tourne, on est le 29. Les DLC arrivent le 30. Et du coup, je vous ferai. Ce sera pas l'épisode final, l'épisode prochain. Ça sera l'épisode DLC.
puisque en fait dans ce DLC tout simplement on peut charger au maximum la Master Sword. Donc ça veut dire que l'épée de légende, elle peut, avec le DLC qui va arriver, elle ne se cassera plus. Elle sera tout le temps chargée, elle ne se cassera plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose que je veux faire avant le combat final. Parce que comme ça, on est bien préparé et on va défoncer le boss final. Oula, alors par contre, j'y suis jamais allé ici. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de gardiens et tout ça. Waouh, c'est quand même un peu impressionnant. Bon, la première chose à faire, c'est qu'on va trouver déjà le souvenir. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un sanctuaire ici. Je m'en souviens. Mais par contre, j'avais jamais vu le haut du truc. Enfin, le... Oula, il y a un gardien. Zut. Attention, les amis, on va se... Oula, il y a un gardien qui nous suit. C'est pas super. Alors, est-ce qu'on on se le bat, lui, ou pas? Attention, wow, il m'a défoncé. On va se mettre en tenue archéonique, vous savez quoi. Parce que sinon, on va y passer 3 ans. Alors, on va prendre ça, ça. Alors, c'est quoi qui fait le diadème diamant? Allez, on prend le diadème. C'est plus sympathique. Attendez, j'ai plus mon... Il est où ma tenue archéonique? Je crois que je l'ai même pas complétée. En plus, il me manque les jambières de la tenue archéonique. Attendez, elle est où? Cette maudite tenue archéonique. Ah, voilà, juste là. Ok. Ouais, il me manque les jambières, ok, il faudrait que ça, j'aille les chercher. Oula, attention, voilà, j'ai esquivé le rayon. Voilà, on va faire la technique que je vous avais appris lors... Oula, il y en a 2 maintenant. Ok, très bien, il m'a cassé mon bouclier. Et là, je suis en mauvaise posture, les amis. Là, on peut dire que je suis un peu dans le caca. Voilà, ok, j'ai même pas réussi à lui renvoyer le rayon. Ok. Non mais par contre, non mais vous êtes sympathiques les gars, mais enfin je peux pas gérer 2 gardiens à la fois quoi. Ok, et vas-y. Oh, mais non mais pourquoi? Oh, j'essaye tant bien que mal de lui renvoyer son rayon là, mais j'arrive pas. Attendez, vas-y. Voilà, c'est bon, ok. Allez, encore une fois. Alors on esquive l'autre, voilà. Oh, c'est bon, je gère en fait. Voilà, super. Il en faut un dernier. On esquive le rayon. Bon, ça va, finalement, ça va. En fait, je gère. Alors, on va esquiver son rayon. Voilà. Et l'autre, vas-y. Oh mince, j'ai loupé. Zut. Alors, on va esquiver son autre. Ah, ok, l'autre gardien est parti, j'ai l'impression. Ah non, il s'est pris un rayon. Ok, je lui ai rendu. Comment ça se fait? Il s'est pris un rayon que j'ai dévié, je crois. Ok. Plutôt sympathique. Voilà. On lui envoie ça. Oh, maintenant, il leur faut 4 coups au gardien. Je me suis fait défoncer. Ok, d'accord. Mais les gars. Oh non, je suis dans la malice là en plus. Oh, vite. Regardez, ils m'ont envoyé pile à l'endroit où il fallait pas quoi. Attendez, il faut que je mange quelque chose. Voilà, on va manger ça. Nickel, le risotto. Oh, c'est pas vrai, mais je me fais défoncer, les amis. Oh là là. Je crois qu'en fait, je vais les terminer à l'épée. Hein. Allez, vite, relève-toi, Link. T'es dans la malice là. Allez, hop. Lui, on le termine. Vous êtes sérieux? C'est pas sérieux ça. Allez, vas-y. Meurs. Allez, meurs. Oh, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi? Ah, mais je crois qu'il est mort. Ok, il s'est pris le rayon de son pote. Très bien. Ah non. Ok, il est pas mort. Ok, bon, là, j'ai. What? Ok, d'accord. On a défoncé le gardien. J'ai pas fait exprès, excuse-moi, monsieur le gardien, de faire un truc comme ça. Ok. Par contre, il a looté des choses. On va les prendre vite, avant que l'autre il m'envoie son rayon. Ok, nickel, je l'ai esquivé. On va se cacher, les amis. On va se cacher parce que... Oula, vite. Oula, mais il est un peu bugué. Ouh, tension. Oh, il m'a vu. Oh, il m'a vu, c'est pas vrai. Attends, on va se cacher là. En fait, je crois que je vais le tuer. Voilà, comme ça. Allez, vas-y. Oh, purée, j'ai plus d'arc. Mais c'est incroyable. J'ai tout. Mais tout se passe trop mal dans cet épisode-là. Je me fais dépenser. Eh là là, j'ai même pas atteint le château encore là, hein, les amis. On est mal parti. Hein. C'est moi qui vous dis. Bon, vous savez quoi? Je crois que on va pas rester ici longtemps. On va s'en aller. Voilà, lui, cadeau. Voilà, comme ça, tu m'oublies. Ok, encore une fois. Tac, le cadeau. Nickel. Allez, vite, la Master Sword là. Oh, mais c'est pas vrai. Attendez. Voilà. Allez, c'est parti. Le truc de Naboris. Enfin, le pouvoir de l'autre là. On va lui casser ses pattes. Voilà, comme ça, il pourra plus bouger. Il s'en ira plus. Viens là.
Ok, bon, je crois qu'il tuait. Ouais, ok, je l'ai défoncé. Ah ben voilà, enfin on s'est débarrassé de ces deux gardiens, quoi. Waouh. Je me doutais que ça allait être difficile d'accéder au château, mais à ce niveau-là, quand même pas, quoi. Bon, par contre, il faudrait pas que... Ok, il y a un gardien, là. Il est activé? Non, je crois pas. Ok. Il y a un gardien là-bas, je crois pas qu'il m'ait vu, donc on va vite se barrer. Ok. Et purée, le château, on y est presque, là. Hein. C'est plutôt sympathique. Oh là, il y a quelque chose. Oh là là, non, c'est pas vrai, laissez-moi. Ok. Ok, je l'ai un peu squeezé là. Ok, il y a un œil là-bas. Il faudrait que j'arrête d'utiliser mes flèches de feu. Oh là là, c'est pas vrai. Mais purée, mais laissez-moi. Mais, et c'est clairement... Mais, en fait, ils veulent clairement un autographe. Enfin, je sais que je suis Link, mais quand même, quoi. Allez, vite. Vite, Link. Va-t'en, vite. Voilà, c'est bon. Oula, j'ai failli me prendre le truc. Très bien. Et on, enfin... On y va, quoi. Waouh, ça a été long. Dis donc. Ah, mais je crois qu'on est mal tombé, là. Je crois qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Je crois qu'il fallait pas que j'atterrisse ici. Mais bon, c'est pas grave. Ah. Oh, j'ai vu une map. J'avais vu la map du château. Ok, c'est un donjon, en fait. Ok, donc je pense que la lumière, château d'Hyrule, ok. Je pense que la lumière, c'est Zelda. Hein. Ouais, la lumière qui a brillé là au centre du château, je pense que c'est Zelda. Ok, on arrive Zelda, on arrive, mais pas tout de suite. Pas tout de suite encore, laisse-moi le temps. Il faut déjà que je m'équipe. Voilà, il faut que je trouve un bon bouclier. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire encore. Alors, j'ai vu une cascade. Oula, ah mais ça serait pas là? Dites-moi. Que ça serait là. Tu peux utiliser mon bouclier. Il y a un truc orange là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est là. Oh, mais attendez, je crois que c'est ici. Ah non. Non. Par contre, ouais, les catacombes, on m'a dit que c'était dans les catacombes que le bouclier se trouvait et le dernier sanctuaire aussi. Mais par contre, je sais pas où c'est les catacombes. C'est bien sympa. Diamant brut. Oh, ben j'ai bien fait, dis donc. Bon, on peut voir qu'ils étaient vachement... ils se préoccupaient vachement des voleurs, hein, au château d'Hyrule. Ils cachent des diamants dans des coffres. En plus, tout le monde peut y accéder. Allez, vite. Non, grimpe pas, Link, mais fais pas l'imbécile. Ouais, mais en plus, je me fais défoncer par tous les coins, là. Merci. Allez, vas-y. On va grimper et remonter la cascade. N'oubliez pas, c'était la tenue qui nous avait donné. C'était le roi Zora qui nous l'avait donné, la tenue. What? J'arrive pas à remonter, ils sont sérieux? Ok. Ouais, c'est bizarre que j'arrive pas à remonter. Pourquoi j'arrive pas à remonter la cascade? Voilà, remonter. Ouais, ça a été compliqué, hein. Dis donc. Ok, je vais manger un truc pour l'endurance. J'ai plus rien du tout. En plus, j'ai plus de cœur, c'est nickel. Oh non! Ah! Non, mais je me fais dépenser, c'est quoi ça? Evil Link, tu n'arrives pas à remonter une pauvre cascade. On en parle? Mais où il est? Ok, je suis derrière la cascade. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais mon dieu. Alors, on est monté. What? Oula, le truc a freeze. Très bien. Ok, on est monté. Mais je sais pas où on est. Alors là, d'accord. C'est catastrophique notre arrivée au château là pour l'instant. Alors, waouh. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, purée, il y a des tourelles. Ok, ouais. Enfin, non. Voilà, on va esquiver. On va monter. On s'en va, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Est-ce que ça serait pas là, dites-moi, le truc, les appartements de Zelda? Oula, il n'y a pas une lune de sang quand même. Ouah, ça fait mal aux yeux. On passait dans un environnement plutôt genre bleu, bleuté et un peu de vert. Un truc super orange, c'est chaud. Alors, waouh. Ok, il y a... on s'approche d'un truc pas super là. Hein. Y a tout le ciel devient violet et tout. C'est pas super bon signe. Ok. Ah, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'entrée du... Ah non, mais je veux pas aller dans le château, moi. Hein. Moi, je m'en fiche du château. Moi, je veux juste trouver mon souvenir, hein, les gars. Le château, je m'en fous un peu. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Waouh, il y a des trucs. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Oh, un coffre. Super. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un diamant? Non, 5 flèches explosives. Oh, bah je prends. Les flèches explosives, je prends. Ils sont sérieux. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de me. D'à chaque fois de me repérer. Non, mais ils ont abusé sur les gardiens là, les amis. Ok, voilà. Je vais renvoyer dans la tronche. Très bien. Oh, ça lui fait pas mal de dégâts quand même. Attendez, j'ai l'impression que le bouclier de Daruk, ça renvoie carrément. Oh ouais, c'est classe. Ah, purée, c'est trop classe. Ok, j'ai failli le défoncer. Très bien. Allez, encore une fois le bouclier. Tu veux te prendre le bouclier de Daruk? Ah bah non. Ok, je l'ai renvoyé moi-même. Très bien. Et bah voilà, on l'a cassé. Ok, super, on n'a pas besoin de lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Oula. On dirait une arène. Il y a un monstre en bas? Non, j'ai pas envie d'y aller pour l'instant. Alors, il faut trouver le souvenir, les amis. Le souvenir, c'est le plus important. Il faut trouver le temple aussi, hein, d'ailleurs. Mais au pire, si je le trouve pas là, je vous ferai une petite ellipse. Le temps de le trouver. Mais les appartements de Zelda. Je vois que dalle, c'est ouf. Attendez. Là, il y a le château. Le souvenir, please. Alors. Ah, d'accord, on a la vision. Ok. Ah, on est bien monté en fait. Ah, d'accord, là, il y a le boss. Très bien. Très bien. Alors, le truc de Zelda. Alors, on a les catacombes là. Ouais, mais je vois que dalle en fait. Ok, là on monte. On doit faire un chemin comme ça. Très bien. En fait, c'est un serpent. Le chemin pour accéder. Très bien. Ouais, alors, je propose d'aller au château d'Hyrule. Je propose d'y aller carrément. Ok, on va. on est des dangereux, nous. Je propose. Ok. Il y a des cascades et tout. Et c'est vachement joli, hein. Le roi, il a bien designé son château, dis donc, hein. Alors, je propose, ouais, de monter jusqu'au château d'Hyrule pour avoir une meilleure vision. Et après, les amis, on va essayer de trouver le souvenir qui me manque. Oh, mais ça va pas être de tout repos, par contre, hein. Quel est ce truc? Mais il y a beaucoup trop de choses, les amis, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Quartier principaux. What? Qu'est-ce que... C'est un cocon? Ouais, non. Alors, je veux pas débuter. Si c'est ça le combat final, je veux pas le débuter. Je veux bien... Enfin, ouais, je veux pas le débuter combat final maintenant. En fait, je veux le faire proprement. J'ai pas envie de voir le boss final, là. J'ai envie de le faire proprement. Donc, on va s'en aller d'ici. Ouais, j'ai vu un espèce de cocon. C'était bizarre, hein. C'est là où la princesse elle est enfermée, vous croyez? Je sais pas. Bon, en tout cas, de toute façon, je vous demande, mais vous avez probablement fini le jeu. Hein, parce que moi, j'ai mis mon temps quand même à le finir le jeu, donc voilà. Mais par contre, où est les quartiers de Zelda? Où sont les quartiers de Zelda? Non! Ok, j'ai failli tomber. Enfin, je suis tombé, mais... What? La photo, attendez, la photo. On est sur une aile du château. Ouais, on a le château devant. En fait, je crois que pour le souvenir final, ils se sont pas cassé la tête, à mon avis. Wow. Ah, c'est là où on a cassé la tourelle, ok. La dernière fois, très bien. Ouais, alors, c'est ce que je voulais dire. Attendez, j'ai du mal à parler. À mon avis, ils se sont pas cassé la tête pour le dernier souvenir. Ils ont dû le mettre à un endroit un peu juste à côté du combat final, je pense. Hein. Quand même. Alors vas-y, ils nous voient pas. J'aimerais bien l'étourdir en fait. J'aimerais bien passer discretos. Voilà, très bien. Bon, je suis pas passé discrètement là, mais ah, c'est là, je crois. Attendez. Si, ça doit être là. Si, c'est là, non? Non, c'est pas ici. Pas du tout même. Ok, d'accord. Ah, c'est là? Ouais, alors là il y a un problème, hein. Mais pourtant j'ai... Ok, bon, très... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah, c'est un moblin. Ah, ok. Ah, mais c'est là, non? Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai trouvé. Je crois que je suis au bon endroit. Ah oui! Bah tiens, regardez, le souvenir est juste là. Très bien. Et qu'est-ce que c'est que ça?
Princesse de la Sérénité, étude de Zelda. Très bien, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre. Lire les comptes rendus de recherche de Zelda. Ouais. Mon entretien avec Impa, le chef du clan Sheka, marque le véritable début de mon travail de recherche. Impa m'a présenté Pruha et m'a présenté à Pruha et à Faras, tous deux Sheka comme elle. Demain, nous nous rendrons ensemble sur le site de fouille pour y chercher le moyen d'activer la pierre guide. Ok, ok, bon. Ça, je le lirai moi-même. Je pense que c'est pas super intéressant. Enfin, si, c'est intéressant pour comprendre le truc. Mais je me fais EO. On va se calmer, les amis, là. Hein. Enfin, je veux bien, mais quand même, quoi. Ok, on va activer le souvenir. Mais je veux le faire proprement, en fait. Donc, j'aimerais bien qu'il se barre. Ok. Bon, les amis, on va activer le souvenir. J'espère que vous êtes prêts. On va comprendre, enfin, toute l'histoire. Toute l'histoire, depuis le début, on a trouvé tous les souvenirs, donc j'espère que vous êtes prêts pour la révélation finale. Voilà, allez, c'est parti. Comme c'est grisant. Nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens. À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse Tyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités ? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Effroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Vous avez trouvé chacun des 12 lieux représentés sur les photographies. Et bien voilà, on a trouvé le dernier souvenir et on a vu que en fait c'est Zelda qui se fait engueuler par son père, le roi d'Hyrule, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on le voit dans un souvenir, donc c'est plutôt pas mal, avant qu'il soit en fantôme, enfin qu'il soit mort.
Donc elle se fait engueuler parce que elle se préoccupe plus des reliques des gardiens et de l'histoire, enfin, et de la lutte contre Ganon plutôt que d'éveiller son pouvoir. Voilà. Donc elle se fait engueuler par son père. Ok, bah, plutôt sympa, et on a trouvé toutes les 12 photographies. Alors c'est pas mal. Maintenant, il nous faut le dernier sanctuaire. Alors, dernier sanctuaire, on m'a dit que c'était dans les... Ah, ça doit être là, non? Eh oui, je pense que ça doit être là, attendez. Ouais, alors on va s'en aller d'ici. Ouais, on va s'en aller d'ici, et en fait on va trouver... Oh, quel est ce truc? Oh, c'est, ça doit pas... Attendez, si ça se suit, imaginons... Oh, qu'est-ce... Ah non, je pense... Ah non, c'est un tunnel. Eh, le Shadow Diru, il est tellement grand. J'ai trop hâte de le... Une fois que j'ai battu le boss final, j'ai trop hâte de le voir, mais genre... Dans la lumière et tout ça, il a l'air trop super. Enfin, il a l'air génial. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ici. À mon avis, les catacombes. Alors, est-ce que c'est là? Ouh, ok, ça m'a fait peur. Très bien, ça, on dégage. Super. Alors, est-ce que c'est là? Je pense que oui, hein. Bon, au pire, peut-être on ira voir Impa dans le prochain épisode, parce que là, ça, j'ai pas vraiment trop le temps. Donc, peut-être on ira la voir après. Oula, attendez. Là, il y a quelqu'un. Ok, il y a un... Ok, il y a quelqu'un. On y va. Il m'a pas vu. Non, il m'a pas vu. Allez, c'est parti. On le défonce. Allez, allez, allez. Allez, voilà. Pourquoi mon épée, elle est genre... Enfin, elle est brillante. Il y a un gardien, à mon avis, à proximité, là. Ok, à mon avis, ça, c'est la salle de réception, peut-être. Je sais pas trop. Attendez. Ouais. Oh, non, ça doit être la librairie, peut-être. Enfin, le... Comment ça s'appelle? La bibliothèque, à mon avis. Bibliothèque royale, peut-être, je sais pas, parce qu'il y a des livres. Peut-être un autre quartier de Zelda, puisque Zelda, dans cet épisode, on voit qu'elle aime lire. Enfin, qu'elle aime tout ce qui est relique et tout ça, donc ça m'étonnerait pas qu'elle ait sa propre bibliothèque. Ah, c'est plutôt sympa de voir les décors comme ça, j'aime beaucoup. Ok, encore un autre. Monsieur, alors vas-y. Alors, j'ai pas mon sanctuaire à proximité, donc à mon avis, ça devrait pas être là. En tout cas, qu'est-ce que... Il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Ouais, qui sont fermées. Ok. Ah, à mon avis, c'est pas là. Hein. Non. Non, non. Ah, il y a un coffre par contre. Ça, le coffre, on le prend. Toujours sympathique. Oh, rubis argenté. Ah, d'accord, c'était cassé. Oh, ok. Il y a quelqu'un qui m'a tapé. Chez... Ah, ok. C'est un archer. Ah, ok. C'est bon. On y va. On s'en va. C'est pas ici. On va pas tarder. Allez, vas-y Link, voilà, monte, on s'en fiche, très bien, ici y a quoi? Non, il y a rien du tout, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une épée de glace, ça je prends par contre. Ouais, alors, épée de glace, on enlève le trident, on s'en fiche. Ok, oh, attendez, mais il y a beaucoup de choses là, hein. Qu'est-ce que... J'espère... Oula. Où je vais aller là? Ok, il y a un autre monsieur. On le défonce, très bien. A mon avis, mon épée, elle s'active parce que il y a le combat final à côté. Je pense que c'est ça. Ok, il y a de grands couloirs. Ça suit un peu le château d'Hyrule dans Ocarina of Time. Dans Spirit Tracks aussi. Spirit Tracks, on pouvait voir un bout de château. On pouvait aller dedans et c'était à peu près comme ça. Ouais. Donc, pourquoi pas. Alors, ici, il y a une... Waouh. Ok, il y a quelqu'un. Et il y a beaucoup de monstres, hein. On y va de salle en salle. Ah, à mon avis, ça c'est l'armurerie, les amis, parce que. Ben regardez, il y a des armures à côté, donc ouais, armurerie, je pense. Alors, ok, il y a des flèches. Des flèches de feu. Ok, des flèches de feu, très bien. Ouais, c'est l'armurerie. Il y a des flèches et tout. Bon, on trouve toujours des pommes dans ces genres de caisses là. Ok, très bien. Là, il y a un truc. Donc je vais casser. Très bien. Ici. Il y a encore des... Ok, il y a un arc royal, un bouclier de garde royale. Ok, mais c'est pas ça le bouclier, le meilleur bouclier, mais il est pas mal quand même ce bouclier. Dis donc, arc de garde royale, mais mon dieu, mais je trouve beaucoup de choses, hein. Ah ouais, ok, c'est mieux que nos armes, que nos arcs tout pourris, là. Ah ouais, d'accord, très bien. Ok. On a quoi d'autre après?
On a... Ok, on a... On a rien... Non. Encore un arc? Non. Hallebarde royale, espadon royal. Et j'ai beaucoup de choses là. Alors, on va dégager les trucs de pierre, tout ça là, ça nous sert à rien. On va prendre ça. À mon avis, ça a l'air pas mal. Combien de dégâts? 52. Ouais, c'est pas mal en fait. C'est pas mal du tout. On va jeter tout ce qui nous sert à rien, genre les branches. Pourquoi j'ai une branche? Ok, très bien. On va jeter le pérouillé, ça nous sert à rien. On va tout prendre. Hey, en fait, c'est là où on peut se... comment on dit. C'est là où on peut s'armer contre Ganon. Ok, là, bon, il n'y a rien du tout, très bien. Ok, bon, on peut partir, hein. Il n'y a rien de bien intéressant. J'hésite peut-être à vous faire une petite ellipse, le temps que je trouve... Oh, 10 flèches de feu. Mais attends, j'ai combien de flèches, là? 28, 38... 36, 4 et 34. D'accord. Et flèche normale, 111. Ok, c'est bon. J'hésite à vous faire une ellipse. Le temps peut-être de trouver les catacombes. Mais à mon avis, les catacombes, c'est pas du tout ici. Hein. Je suis tombé au mauvais endroit. Alors, ouais, je pense que... Ouais, je vais vous faire une petite ellipse, les amis. Et je vous retrouve une fois peut-être que je trouve les catacombes. Voilà. Donc, à plus. A few moments later... Les amis, je me doutais bien de quelque chose. Regardez. Comment vous voulez savoir ça, purée? Mais mon Dieu, comment vous voulez savoir ça? Que le dernier sanctuaire, il faut allumer le charbon qui se trouve au milieu d'une salle. Comment vous voulez savoir ça? Moi, je me demande. Donc, j'y étais à côté hein, du sanctuaire. J'y étais à côté. Je vous l'avais dit, de toute façon, l'embarcadère, le sanctuaire, il est à côté, je vous l'avais dit. Et donc, voilà, sanctuaire de Sasukosa, pardon. Donc, voilà, le dernier sanctuaire qu'on a à activer. Et puis voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Soit c'est une bénédiction, parce que c'est une énigme, soit c'est une énigme. Soit c'est une épreuve de force, soit c'est un sanctuaire avec un nouveau gameplay qu'on n'a pas vu dans le jeu. Peut-être allumer des trucs, j'en sais rien. En tout cas, impossible à trouver. Hein. Oh là là, heureusement qu'il y a un ami qui m'a aidé, parce que sinon, oh là là, je l'ai appelé parce que je voulais pas regarder une soluce, parce que les solus, bon, c'est pas non plus super. Et en fait, je l'ai appelé, il m'a dit, alors en fait, il faut que t'ailles, il faut que ça se situe dans l'embarcadère, il faut que tu allumes quelque chose. Et voilà, et j'ai tout de suite compris. Voilà, je m'en doutais. Purée, mais n'importe quoi. Comment vous voulez savoir ça? Bon, écoutez. Et ben c'est une épreuve extrême de force pour ne pas changer, voilà. Et on est contre le gardien 3.0, ok. Allez, c'est parti, les amis, j'espère que vous êtes prêts. Et d'ailleurs, on m'a dit dans les commentaires que voilà, les salles, on pouvait utiliser ce genre de... ces blocs-là. Alors, vas-y, essaye de venir. Ok, je voulais le faire monter, mais j'ai pas réussi. Alors, vas-y. On va essayer de la voir. Allez, vas-y. De toute façon, j'ai la tenue qui me permet de voir combien de PV le gardien a. Ok, d'accord. Bon, il fait pas mal, il fait pas vraiment mal. Ok, très bien. Bon, d'accord. Vas-y. Oh, purée, mais laisse-moi, s'il te plaît. Voilà, allez, vas-y. Voilà, super. Ok, il va faire son attaque tourbillon, là. Allez, vite. Voilà, super. Allez, on y va, on le frappe. Nickel. Voilà. Et pourtant, pour l'instant, je me débrouille bien, dis donc. Ok. J'ai réussi à l'avoir. Bon, d'accord. Là, je me suis fait défoncer. Voilà. Allez, le slow motion. On y défonce. Allez. 1800. Il me reste. Bon, ça va. Un autre. Une truc qui fait bien. Brise rock. Ah, mais le brise montagne, je l'ai plus. Le truc de. De Darouk. Ah non, je l'ai posé à la maison. Oui. Vous vous demandez sûrement. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, Sanji? Il va pas bien, lui. Il parle de maison. Non, mais vous verrez. Peut-être je vous montrerai ma maison. Je vous la montrerai peut-être dans l'épisode final. Voilà. Je vous la montrerai. Et voilà. On va mettre une flèche archéonique. Allez, pour le dernier truc qu'on a à battre, quand même. Voilà. Eh, ça fait mal, hein. Ça lui fait 500 de dégâts, la flèche archéonique. Ok. Allez, vas-y. Le brise-roc, il va te faire mal, mon gars. Allez. Je sais pas où il est, mais ok. Il est où? Ok, d'accord. Il fait son tourbillon. Il m'a eu. Zut. Ok. Allez, hop.
Ah mais j'ai plus de flèches. C'est pour ça que j'arrivais plus à lui envoyer une flèche. Ah zut. Alors on va changer les flèches de position. Voilà. Allez, on va le tuer. Vous savez quoi? On va le dernier. Alors vas-y. Voilà. On va le tuer avec quelque chose de fourbe. Une torche. Voilà. Allez la torche. Allez la torche. Ok. Allez, allez, allez. Oh purée, mais ça lui fait 2 de dégâts en fait. Ça lui fait 2 de dégâts, la torche. Très bien. Bon, je le défonce un peu, je sais pas. Ah vas-y, on te la lance dans la tronche. Ok, ça lui fait rien du tout. On va le tuer avec quoi? Une baguette des blizzards? Pourquoi pas? Allez, tiens. Une baguette des blizzards. Voilà, tiens. Allez, je t'ai défoncé. Bon, par contre, oh là là, la vache. Les épées qu'il nous a données, quoi. Wow, super. Il est super. Enfin, elles sont super fortes, ces épées là. Attendez, on va jeter. On va jeter quelques trucs. Ouais, alors, hop, super. On va jeter. Qu'est-ce qu'on va jeter? On va jeter ça. On va jeter ça. Et on va jeter ça. Super. Voilà, et on va prendre ça et ça. Ça fait combien? 60. Ouais, mon dieu, c'est super. Bon, j'ai toujours pas trouvé le bouclier, hein, mais j'ai trouvé le sanctuaire, donc c'est pas mal. Bon, le bouclier, on va essayer de le trouver. On va essayer de le trouver, le bouclier. Ça va pas être une mince affaire, mais on va essayer de le trouver. Alors, épée des flammes. Pour un dernier sanctuaire, vous êtes sérieux de me donner une épée des flammes? J'en ai rien à carrer, hein. Bon, allez, super. Dernier petit sage. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire, vu que c'est le dernier? Il va nous dire un truc de spécial, je pense. En remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Ah non, il dit rien du tout en fait. Alors, au nom de Hadès, Ilia reçoit l'emblème du triomphe. Le dernier emblème du triomphe, il faut le dire ça. Et il faut que aussi j'aille prier à la statue de la déesse avant le combat final pour me récupérer 2 cœurs. Et je vous a... Oui, aussi, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir toute la ligne. Vous savez, vous avez une première ligne de cœur et vous en avez une deuxième. Mais on peut pas avoir la deuxième ligne de cœur complète. Voilà, on peut pas l'avoir, la dernière ligne de cœur complète. Tu as triomphé de toutes les épreuves. Le rôle des guides s'achève ici. Voilà, ouais, j'en étais sûr qu'il allait dire quelque chose de nouveau. Héros, reçois cette récompense, symbole de ta consécration. Et rends-toi au temple oublié. D'accord. La récompense des guides. Mission. Ok, il faut que j'aille au temple oublié. Bon, je sais où ça se trouve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bon, oui, ça je sais où ça se situe, le temple oublié. Je vous le montrerai dans le prochain épisode. Mais pour le moment, on va essayer de trouver ce bouclier. Donc je vous refais une ellipse et je vais essayer de fouiller un peu le château pour voir si j'arrive à le trouver. Donc ellipse et à plus. Ok les amis, alors je retente une autre sortie, hein. Ça fait 3 fois que j'essaye, je ressors du château, que j'essaye des entrées différentes. Donc j'espère que c'est celle-là, hein, on va essayer parce que sinon ça serait un peu relou. Oh là 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 là, ah bah ça prouve que j'y suis jamais allé, hein. Tiens regarde, il y a un mur, mais sinon si c'est pas là, j'abandonne hein, les gars, parce que sinon j'irai le faire en off, hein, parce que sinon c'est un peu relou. Oula, galerie ouest. Il y a des lithorocs de glace. Ouah, je me fais défoncer. Ok, très bien. Oh, attendez, il y a un... Oh, mais je me... Oh, bah d'accord, il m'a jeté carrément dessus. Il fallait me le dire, hein, mec, si tu voulais que j'y aille. Bon, allez, on va y aller. On s'en... Ah non, mais attendez. Oui, je suis sur un rail. Ok, c'est bon. On va aller... Non, c'est là-bas qu'on doit aller. Non, mais les gars, c'est là-bas qu'on doit aller. Voilà. Voilà. Alors je vous l'avais pas montré ça, c'est les petits trajets avec le super chariot, j'adore. C'est apparu en fait dans le volcan, et en fait depuis il le réutilise comme ça, c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs on peut même faire une machine volante avec, il faudrait que je vous montre un jour. Si jamais on retourne dans le volcan, je vous montrerai comment on fait une machine volante avec cet engin là, voilà. Alors super, et bien on est arrivé ici. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc c'est là. Où on est? On n'est pas dans l'embarcadère là. Non. Et en plus il y a des ruines, enfin des vestiges de gardiens, très bien. Où on est? Alors à mon avis là, je suis sur le bon truc. Hein. Alors on est... vous savez c'est l'endroit... Enfin c'est... En fait je suis passé
au tout devant du château, voilà. Regardez, ici. Donc vous avez le château juste là et juste à gauche. C'est l'entrée juste en bas là. Ça, c'est la première entrée que vous voyez. Ok, c'est juste là que je suis rentré. Ok, très bien. Il y a encore un truc à détruire. On va le détruire. Par contre, mon épée de légende là, elle tient bon, hein. Vous avez vu comment elle est superbe. Enfin, elle s'est pas cassée pour le moment. Donc, elle va me lâcher, je pense, au moment où je m'y attendrai, où je m'y attends le moins. Alors, où on va là? Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Oh! Ah, non, il y a un monsieur là. Alors, très bien. Par contre, toi, monsieur, meurs. Alors, voilà, le pouvoir de l'épée de légende, ça m'unit. Très bien, on va prendre l'épée de glace, tiens, on va geler. Voilà. Très bien. Alors, on va te faire un coup de Urbosa, tiens. Oh là, ça rame, le jeu, il a ramé, là. Alors, ça m'arrive plus souvent maintenant que le jeu, il rame comme ça. Alors, on va prendre ça, tiens. Voilà. L'arme de Daruk, le puissant. Voilà, on casse tout ça, très bien. Et on prend les flèches qu'il nous donne. Super, alors ça c'est des ennemis. Les ennemis blancs comme ça, c'est des ennemis en fait que quand vous les battez, eh bien ils vous donnent des pierres précieuses. Voilà, ils peuvent même vous donner du diamant si vous avez un peu de chance, donc plutôt sympathique. Alors c'est pas ici, j'ai l'impression, donc on va continuer. C'était où que... Ouais, c'est là, ok, d'accord. Donc on va continuer. Ok, Géol. Les géoles. Ah, les géoles, c'est pas les... Oui, c'est les prisons. Ben, je crois que je suis au bon endroit, non? C'est pas ici? Et je crois que si. Attendez. Là, il y a un mur à casser. Très bien, on s'en va. Voilà, super. C'est pas ici? Oula. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il y a un truc. Attendez. Ouais, alors, si on casse ça. Non, alors... Là, je sais pas du tout, hein. Pour l'instant, là, les amis, je sais pas où il faut que j'aille. Oh, d'accord, ok, c'était ça. Ah, c'est des mini-énigmes. Oh, par contre, je suis trop avancé dans le jeu, là, vous avez vu. Ils ont des... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, baguette de blizzard. Ok, je vais les glacer un coup, vous allez voir. Je vais les glacer, ils vont plus me saouler. Voilà, c'est bon. Ok, ils me saouleront plus, alors... Voilà, je passe mais discrètement, genre, coucou, vous m'avez pas vu. Ok, alors, c'est bon, on peut s'en aller. Ici, il y a encore des choses. Ouais, enfin, il y a encore des cellules. Ok, bon, par contre, ils sont pas trop intelligents, ils se sont... Ah, là! Ok, il y a... En fait, il y a des interrupteurs. Ok, très bien. Ah, ici, j'ai pas vu. C'est là, voilà. Et là, il y a quoi? Ok. Ah, ici. Ah non, c'est un mur cassé. Donc non, pas du tout. Alors par contre, j'ai l'impression que les ennemis, genre, ils ont... Ah si, si, ok. J'ai l'impression que... J'allais dire, j'ai l'impression que... Oh, non. Non, 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 non. Ok, va-t'en vite. Alors par contre, les amis, là, c'est pas que je vous aime pas. C'est juste que, bon... Ah ok, c'est un lézard de glace. Enfin, un lézard de feu, pardon. Donc du coup, il est mort en un coup. Ok, donc là, c'est pas un lézard de feu puisqu'il est pas mort en un coup. Très bien. Ah non, en fait, non, non, ok, c'est bon, j'ai le droit d'aller là. Enfin, si, enfin, non, je gruge un peu, mais si, j'ai le droit d'aller là. Alors, ok, il y a des... Ok, d'accord, il y a des trucs d'araignées, des toiles d'araignées. Ok, ça. Bon, toi, voilà, très bien. Ici, on a quoi là? Encore des cellules qui s'ouvrent. Ok, non, c'est pas ici. Et je suis plutôt content là. Pour l'instant, on a trouvé, c'est le bon endroit. Donc c'est pas mal. Alors par contre, les gars, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Alors ici. Ah, bah ouais, là, là j'ai pas d'autre choix que d'utiliser ça. Super. Très bien. Là, il y a quoi d'autre? Ok, il y a un gardien. Oh, il y a un coffre. Non, ok, j'ai cru que c'était un coffre, pas du tout. Très bien. Mais c'est ici ou pas du tout en fait? Enfin, je m'écarte là, j'ai l'impression. Ouais, non, non, c'est pas du tout là en fait. Je m'écarte beaucoup là. Non, non, c'est vers ici. Non, mais en fait, normalement, normalement en fait, il y a un inox. Il y a un inox de. Un inox, ouais, alors. On va casser ça.
Non, j'ai pas, je sais pas du tout. Il faut que j'aille où en fait. Je sais pas du tout. Ouais, alors là non. Qu'est-ce que... Mais d'où il me touche? De là, lui. Il meurt. Voilà. Ah. Oh non, regardez, le truc il est cassé. Ah non, en fait, non, ok, d'accord, je suis bête, c'est tout. Voilà, on va... Ah non. Ah non, là, il y a l'interrupteur qui est cassé, en fait. Oh, mais j'ai plus de vie. Je viens de m'en rendre compte, en plus, j'ai même pas de fée. Si jamais je mourais, là, on serait un peu bien dans la panade. Ok, non. Mais où il faut que j'aille? Ah, là. Non. Si. Oui, non. Je comprends rien du tout. Non mais là je crois que je m'écarte beaucoup. Beaucoup là. Ouais non je m'écarte. Je sais pas du tout, il faut que j'aille. Oh là là, mais j'ai pas envie de vous faire un épisode d'une heure moi. Ah je comprends pas. Je sais pas où il faut que j'aille. Ah ici non, c'est pas là. Ici. Ah il y a un coffre. Là ça veut dire que j'y suis jamais allé. Ah mais c'est là non. Topaz brut. Ah, si c'est là, je me tue. C'est là. Oh mon dieu, non, c'était ici. Oh mon dieu. Et ben voilà, c'est parti, combat contre le Inox. Voilà, c'était ici. Oh ben, dis donc, j'ai mis du temps. Alors, le Inox, c'est la première fois que je vous montre un combat contre ces créatures-là. Alors, c'est comme un Inox de base. En fait, tout simplement, c'est un Inox, donc il tombe, il faut le frapper, voilà. Comme ça, on frappe. Bon, par contre, il fait des dégâts, donc il faut faire attention. Voilà, comme ça. Wait. Le Inox, là, je l'ai un peu défoncé, par contre. Ok, d'accord. L'œil a bougé tout seul. Ouais, voilà, très bien. Et ben maintenant, voilà, c'est... En fait, il faut juste lui faire tomber son œil. C'est un peu comme Morpha dans Ocarina of Time. Il faut prendre son œil, il faut le frapper, voilà. Je crois que j'ai tué là, non? Non, je l'ai pas tué encore. Allez, meurs. Ah, c'est pas vrai. Attends, d'où là, je te tue pas? Sérieux? Ouais, alors. Vas-y. Non! Oh, il se prend. Ah, il s'est cassé une côte! Ah, c'est trop marrant! Attendez. Ouais, mais par contre, le gars. Ok. Ah, ben voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Bon, là, il lui reste qu'un PV. Voilà! Normalement c'est bon, il est mort. Oui, ok, super. Ah ben voilà, ok, je savais pas du tout qu'il se cassait des côtes comme ça. Je savais pas. Très bien. Eh bien on a un petit coffre. Et ce coffre, attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et voilà, le bouclier d'Ilia. La légende dit qu'un héros porte... Oula. Qu'un héros a porté... Ah voilà. La légende dit qu'un héros a porté ce bouclier qui se transmettait au sein de la famille royale. Sa défense et sa résistance sont telles qu'aucun bouclier ne l'égale. Bon, il peut quand même se casser. Hein. Le bouclier d'Ilia, il peut quand même se casser. Mais je sais pas si on peut le retrouver par la suite. Donc il faudrait que je me renseigne et je vous dirai ça peut-être dans le prochain épisode. Bon, et bien les amis, la prochaine fois, c'est les DLC. Hein, puisqu'ils vont arriver de genre demain. Donc je vous ferai un épisode, ce sera les DLC. On ira aussi voir Impa pour les souvenirs. Pour qu'elle nous valide la quête des souvenirs. Et puis on aura fait pas mal de choses. Et on va s'équiper du magnifique bouclier d'Ilia. Attendez, il est où? Bouclier, il est là. Voilà, très bien, on se met ici. Alors, bon, par contre les boucliers de garde royale, ils sont pas mal aussi hein. Franchement ils sont pas mal. On va s'équiper en tant que officier de la garde royale. Voilà, et voilà, super. Maintenant je suis, on peut m'embaucher dans ce château, on peut m'embaucher maintenant. Voilà, bon et bien les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, et la prochaine fois, bien comme je vous l'ai dit, c'est les DLC, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, bisous à tous et à la prochaine, ciao ciao.